Et je considère que la réflexion doit se nourrir de l'action. Je crois que c'est la meilleure façon de réfléchir. C'est la philosophie de la praxis, disait Gramsci à l'époque. Mais il faut être dans l'action pour réfléchir. Ben oui, il faut réfléchir sur un idéal toujours. Et il n'y a pas de problème, mais il faut arrêter de croire que cet idéal-là devient une clé à elle seule du changement social. Fait, oui, il faut agir beaucoup plus que ce qu'on fait en ce moment. Parce que sinon, on risque d'avoir de très mauvaises surprises sur la manière dont les choses vont évoluer d'elles-mêmes, juste si on essaie d'y poser un phare. Voici vers où on faut se diriger sans s'imprégner de l'action, sans s'imprégner du pragmatisme du changement social lui-même.